les trois adversaires qu'on aura, on connaît déjà comment leur style de jeu. Quand on prend l'équipe nigérienne, on sait que c'est un football sahélien, comme nous les Maliens. Donc, et puis surtout qu'on a des informations sur le Niger. Quand on prend l'équipe tanzanienne, on sait que c'est un football lusophone. Donc, on sait ce qu'il vaut, on a aussi des images sur eux. L'Angola, c'est un football anglo-portugais où vraiment il y a la technique. Donc je pense que nous, on va se préparer avec nos conditions. On a des joueurs qui ont de la valeur, on a des joueurs qui savent jouer au ballon. On ne va pas laisser nos atouts pour se fixer à 100% sur les qualités de nos adversaires. Certes, on va se préparer en fonction des qualités de nos adversaires, mais on va aussi essayer de mettre nos qualités aussi au-dessus. On va essayer d'imposer nos qualités à chaque match qu'on va jouer. Donc ça veut dire que chaque match que nous on va jouer, on va essayer d'imposer notre jeu, on va essayer d'imposer notre style de jeu. Parce qu'en imposant notre style de jeu, on a beaucoup plus de chances de gagner les matchs.